Coucou. Abonnés, il y a ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réaction direction la Corée du Sud, oui, mais plutôt pour un comeback japonais du post-groupe coréen, c'est Seventeen. Je sais, le titre est sorti hier, mais c'était dimanche et j'étais invitée chez des amis tout simplement, donc impossible de faire l'air. Impossible de faire la réaction, donc bah, il vaut mieux tard que jamais. Ils nous sortent. Bon, je sais plus parler. Ils nous ont donc sorti un nouvel MV et de surcroît un nouveau titre japonais. J'aime tellement Seventeen que d'office il fallait que je réagisse à leur comeback japonais tout simplement. Et c'est parti, je vais découvrir ceci maintenant. Oh, je sais pas, mais beaucoup cette couleur est. Beaucoup cette couleur est utilisée, j'aime beaucoup. Oh, toi t'es trop beau. Ça peut pas exister des hommes comme ça. Oh, ils ont une couleur distincte, c'est sympa. Ce bleu aussi, on voit beaucoup, c'est beau. Oui. Oh. Oh, très sympa cette transition. Oh. J'aimerais trop faire ce rose dans mes cheveux, mais c'est tellement d'entretien et ça abîme tellement mes cheveux. Oh, ça monte. Ça fait référence au Covid, au confinement, qu'on se voit que à travers écran, etc. Oh. Oh. Ouais, transition. Oh, c'est comme si c'était une fleur qui s'ouvrait. Oh, ils aiment beaucoup faire un truc Insta, je trouve. Oh, j'aime beaucoup cette partie. Oh, c'est trop beau! Il est 21h05. Alors, que dire sur cet MV? Franchement, j'aime beaucoup. C'est du Seventeen, tout simplement. On les retrouve tout simplement, que ce soit au niveau MV, chanson. J'aime beaucoup cette chanson japonaise qui était très simple mais très chouette à la fois. J'aime beaucoup parce que le MV est très coloré. Vous savez que moi et les couleurs, c'est la vie. J'ai vraiment l'impression qu'il faisait vraiment en mode Instagram de temps en temps, vraiment à cause de ce confinement, de la Covid,
qu'on se voyait, mais seulement par écran interposé, etc. Je n'ai pas eu accès au sous-titre parce que je voulais vraiment m'immerger dans le MV, donc je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais peut-être que ça parle de ça, peut-être que je suis mauvaise route, mais en tout cas, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Après tout, c'est Seventeen. Bah voilà. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié leur nouvel MV japonais, également leur chanson. Moi, je vous fais plein, plein de gros bisous. Je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, sayonara.